les droits de l'homme à travers la constitution américaine est une mise en scène. A été une mise en scène. D'autant plus que l'abolition de l'esclavage aux États-Unis dit l'esclavage a été rendu illégal. Mais quand vous vous retrouvez arrêté par la police ou commandé par les tribunaux, vous redevenez esclave. Nous devons apprendre à mettre ensemble l'esclavage, la colonisation et le racisme. Ce sont trois éléments qui vont ensemble. Parce que l'esclavagisme est un modèle économique qui profite aux colons et qui a pour machine répressive. Parce que le racisme, ok, le racisme est connecté au lynchage. Quand nous sommes soumis au lynchage, le lynchage peut être verbal ou physique. Le lynchage physique, verbal ou physique, sont reliés au racisme. Mais le racisme n'est que l'instrument, l'arme que la colonisation esclavagiste, qui est lui un système économique, utilise pour garantir son efficacité. Pour garantir son efficacité. Nous sommes loin d'être sortis de l'école maternelle. Mais nous pensons nous être gradués à l'université. Nous sommes loin. Et c'est sur ce point que s'arrête mon exposé d'aujourd'hui. Je vais passer la parole à la régie pour voir si nous avons des commentaires. Douane Tchère. Oui, il y a Karine Comé qui dit OTEP, OTEP à elle aussi. Elle dit société de surconsommation et société esclavage du matérialisme. C'est beaucoup plus puissant aussi à cause de dépenses compulsives et c'est un vrai cycle vicieux. On va voir Mentio OTEP qui dit OTEP. Voilà, le salaire d'une année de Frédéric Douglas donne le salaire de 20 ouvriers en 2020. Et je pense que c'est similaire aussi quand on parle par exemple de l'industrie textile. On parle des téléphones avec la Chine ou le Malaisie et beaucoup d'autres pays. Mais un point qu'on n'a pas touché, c'était le salaire par mois de Frédéric Douglas. C'est beaucoup moins que le salaire de beaucoup d'ouvriers qui travaillent en Europe comme en Amérique aussi. Oui. Parce que oui, c'est là où c'est qui ne peut pas m'échapper. Pendant l'esclavage, le Nord et le Sud, les conflits opposant le Nord et le Sud, okay, qu'est-ce qui s'est passé? Et je vais vous raconter l'histoire de Frédéric Douglas, parce que ce n'a pas été une hypothèse, mais c'est un vécu. Frédéric, qui lui était le premier tout noir aux États-Unis, avoir refusé de se faire fouetter. Parce que c'était une habitude. Je vais vous dire qu'en 1800, toujours dans les années 18e siècle, dans un tribunal, a été reconnu les droits sociaux des lynchages, des tabassés les noirs. Et bien, Frédéric va s'élever contre et va se battre avec son emploi, son maître d'esclaves. De cela, une conscience. Quand il arrête son maître de... Quand il dit dans un de ses biographies, son objectif, ce n'était pas celui de taper son maître d'esclave. Ce n'était pas son intention. L'intention, n'était pas celui de lui faire du mal. L'intention de Frédéric Douglas était celui de lui arrêter, de lui empêcher de lui faire du mal. Et dans cela, il avait réussi. Il a réussi à tenir tête. Et de là, Frédéric Douglas réalise: ok, j'ai cette possibilité-là. De cet élément-là, de cette bagarre qu'il a eu avec son maître d'esclaves, eh bien, il va naître une conscience qui va l'apporter jusqu'à décider de quitter le Sud. Quand il quitte le Sud, il migre vers le Nord. Quand il migre vers le Nord, dans le Nord, l'esclavagisme a été plus ou moins rendu illégal déjà. Ok? Mais qu'est-ce qui se passe?
il y avait ce qu'on appelle les chasseurs d'esclaves. Les chasseurs d'esclaves, aujourd'hui, cette institution des chasseurs d'esclaves, Bounty Hunter, a été transformée aujourd'hui en ce qu'on appelle les systèmes de l'immigration. En fait, le système de l'immigration, c'est celui de te prendre ici, de te renvoyer vers le sud. C'est le même mécanisme. Maintenant, quand on arrivait au nord, c'est vrai qu'il n'y avait pas l'esclavagisme. Il y avait ce que j'ai appelé les préjudices. Nous avons ce que nous avons appelé ici les préjudices raciaux. Ouais. Au nord, nous avons l'esclavage. Aussi, nous avons les préjudices. Les préjudices veulent que l'esclave soit payé quand même moins. C'est-à-dire, la personne qui est retenue d'une certaine rang sociale est payée moins. C'est dans cette situation que Frédéric va affronter ce qu'on appelle les préjudices. Et la même situation nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire, quand on est au sud du monde, c'est l'esclavagisme. Quand on arrive de sortir du sud du monde et venir dans le nord, on n'est plus un esclave. C'est-à-dire, on peut revendiquer certains droits comme le salaire minimal, et c'est toujours minimal. On peut revendiquer certains droits peut-être à la limite être payé pour les vacances, être payé pour les maladies, généralement pas. Et vous allez maintenant à la place de l'esclavagisme, vous confronter avec les préjudices. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, le monde est devenu les États-Unis d'Amérique du 18e siècle, 17e, 18e siècle. Divisé entre Nord et Sud, où dans le Nord, nous avons l'État des droits, qui pourtant laisse un espace des croisières aux préjudices, et dans le sud nous avons l'esclavagisme. Enfin, les gens quittent maintenant au peuple du sud, comme exactement durant la guerre entre le nord et le sud, ok, les gens, comme aujourd'hui nous voyons voir les gens qui meurent dans les Lampedusa et tous les gens qui vendent leurs biens pour venir vers le nord, vers aller nord maintenant pour fuir l'esclavagisme et pour survivre dans le préjudice. Ça, c'est une lecture des économique des États-Unis et qui réalise, qui nous apporte à réaliser, à ouvrir les yeux de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et aussi beaucoup en Occident, dans le Nord, il y a la paie minimum en fait. La paie minimum garantit que tout le monde a une paie garantissante, mais après il y a les codes. Par exemple, en UK, il y a les codes d'assistance sociale différents. Ça veut dire que certaines personnes payent un taux de taxe plus élevé que d'autres personnes. Mm-hmm. Ce qui fait que les gens, ils redeviennent, au final, la paie qu'on reçoit en main est équivalente à celle qu'on a montrée là pour beaucoup de personnes. Absolument. Et aussi, quand ça vient maintenant de faire la progression dans le travail, on va voir que d'abord, il y a les femmes et les, entre guillemets, ceux qui viennent du sud, ils sont payés moins comparé, par exemple, aux hommes ou d'autres personnes. Et donc aussi, même dans l'évolution de travail, il y a toujours un plafond que les Noirs n'arrivent pas. C'est-à-dire, il y a un plafond auquel les gens du Sud, c'est ce qu'on appelle la discrimination. Il y a un plafond en termes de revenus et qui s'équipare donc en termes de qualification qu'un Noir n'arrive, un homme du Sud, une personne du Sud n'arrive pas. Et cela, c'est ce qu'on appelle la discrimination. Mais quand vous êtes au sud du monde, peu importe le niveau auquel vous arrivez, que vous devenez un policier, un militaire, un docteur, 5 personnes font les salaires moins qu'un salaire payé par un esclave au 18e siècle. C'est exposé que j'avais préparé pour vous depuis hier, et j'ai fait quelques enquêtes. Je peux remercier les Baneb Tartneberger qui est à Kinshasa, qui m'a fourni certaines des dates et que j'ai traitées aujourd'hui. Je ne suis pas allé voir tous les autres pays africains parce que je sais que la réalité est plus ou moins fixe. Et cette réalité n'intéresse pas seulement pas l'Afrique. Nous avons la Chine. Nous avons beaucoup de pays comme les Philippines et tous les autres qui sont dans la même situation. Mm-hmm. Nous n'avons pas oublié ça.
La prostitution infantile aujourd'hui. La prostitution infantile aujourd'hui est rentrée dans les dessins. Mm-hmm. Okay? Mais nous devons réaliser que si aujourd'hui, nous sommes dans cet état où à 5 personnes, on est payé moins qu'un esclave du 18e siècle, depuis de 160 ans, depuis d'il y a 160 ans. Que pensez-vous peut arriver? Pensez-vous que ce capitalisme, jusqu'à où vont-ils continuer à nous consommer ainsi? C'est la question que nous devons nous poser. Et nous devons aussi nous réaliser qu'en échappant au système esclavagiste du Sud et en immigrant vers le Nord pour subir ce qu'on appelle la discrimination, nous devons nous souvenir comme Frederick Douglass, qui est parti vers le Nord, mais a fait une promesse de retourner libérer les siens. Et toute sa vie a été consacrée à la lutte contre l'esclavage et contre la discrimination. Toute sa vie. Et vous qui avez échappé à l'esclavage et sont finis à la discrimination, quelle est votre mission de vie? Quelle est votre mission de vie? Parce que si vous n'avez pas une mission de vie, comme beaucoup de gens qui se sont échappés du Sud vers le Nord, eh bien, les chasseurs d'esclaves les ont renvoyés chez eux, comme l'immigration renvoie beaucoup de personnes à l'esclavagisme. Voilà. Sans forme, sans long procès, ce dont nous avions à proposer aujourd'hui. J'aimerais que vous y réfléchissiez, vous prenez le temps d'y réfléchir. Je sais que cela peut être brusque comme réalisation. Je sais que cela peut être brusque comme exposé. Mais c'est une analyse syncrétique. Par là, je vais te dire, c'est une analyse scientifique de la chose. Et pour voir, pour embler cela, j'ai apporté des données, des caractères scientifiques, évaluant un processus économique à travers les mécanismes de capitalisation et l'évaluation de la loi et les drames du profit et les impacts de tout cela sur la population, ce qui nous porte à nous retrouver devant une réalité. Nous plairons l'esclavagisme de nos ancêtres pendant que nos ancêtres qui nous regardent, ils ont même pitié de nous parce qu'ils voient que ce que nous sommes en train de subir est pire que celle qu'ils ont subie. Et pire que celle qu'ils ont subie. Oh. Douane Tcher, Doua Amon Ra, Douaneb Ercher. Ok. Il y a Moussa Koulibaly qui dit « L'esclavage continue jusqu'à aujourd'hui. Je m'explique, regarde nos systèmes monétaires aujourd'hui. Mm-hmm. » Alors, il dit aussi, on veut que vous nous faites décortiquer la lettre de Willie Lynch un jour à venir avec le tableau. Douane, tu as absolument, quelqu'un m'a demandé cela, j'ai répondu que la lettre de Willie Lynch, je pense l'avoir traitée il y a une année ou deux ans. J'ai traité les livres, je pense que ça a été une des, après les mouvements anti-nazis africains, okay? Quand j'ai déploré la présence du nazisme en Afrique, j'ai revendiqué, j'ai dénoncé la mission nazie permanente de vouloir conquérir l'Afrique, et le nazisme n'est pas mort, et qu'ils étaient tout simplement transférés en Asie. Une partie s'est implantée aux États-Unis en reprenant le système, ce qu'on appelle l'FBI et la CIA, c'est qu'on appelle les SS qui ont intégré les États-Unis et ont repris ces mécanismes-là, d'où la répression raciale aux États-Unis, et une grande partie administrative s'est implantée en Asie, spécialement en Chine. Et quand nous voyons la Chine venir en Afrique, nous avons les nazis qui est venu accomplir une mission qui date des années 40, c'est-à-dire prendre l'Afrique. Et après, c'est une série des émissions. Quand on voit la Chine venir en Afrique, un peu partout dans le continent, qu'est-ce qu'on pense par rapport au salaire qu'on a actuel? Eh bien, par rapport à... Les salaires actuels ne représentent rien par rapport à ce que la Chine veut nous imposer. Parce que les Chines, qui lui représentent, hein, la Chine représente les nazis. La Chine représente aujourd'hui le nazisme.
La philosophie naziste, c'était transférée en Chine, c'est distillé de la pensée fondamentale des Confucius et maoïstes. Et la Chine a toujours dit qu'il faut faire mieux. Il veut faire mieux en termes d'esclavagisation que les États-Unis et l'Europe. Pour la Chine, certains, c'est qu'il veut arriver à perfectionner à travers imitation ce que les Européens ont fait en Afrique. Vous savez, les Chines, quand il faut copier, quand ils copient, leur copie semble beaucoup plus originale qu'originale même. Imaginez avoir une copie de l'esclavagisme chinoise. Elle va être beaucoup plus belle que l'esclavagisme occidental même parce que la capacité de copier et de rendre la copie meilleure que l'original, il faut la les reconnaître. Et donc, voici cet exposé-là. Et à la question de Willie Lynch, oui, justement, c'était une des premières émissions que j'avais réalisées, la lettre de Willie Lynch, où je pense l'avoir lu entièrement. Je pense avoir lu entièrement la lettre de Willie Lynch et j'ai encore l'image parce que c'est la lettre, en fait, c'est une exposé que Willie Lynch fait dans un bateau en arrivant vers une colonie d'esclaves, qu'il explique les cassures, les brassages, mais je vais la relire, oui. Absolument, j'ai été fait dans une émission, je vais avoir l'opportunité de la relire en direct, à faire une émission en direct avec un tableau, nous allons décortiquer cela. Dwayne Letcher pour la suggestion. Dwayne Letcher, et il y a beaucoup de personnes qui disent bonjour, Otep, Laurent Bonalère qui nous vient de nous rejoindre. Il y a Kianaka qui dit Otep aussi et Dwayne Letcher. Donc, on n'a plus de commentaires pour l'instant. Dwayne Letcher à vous. Sans plus vous nous attarder très longtemps, je sais que c'est samedi et que nous sommes en quarantaine. N'empêche que c'est le moment idéal pour être avec la famille. La famille est très importante et dans les couches Kémé de Congo, un élément fondamental est la famille, la paix dans la famille, la joie dans la famille. Et dans cette joie, c'est pour préserver cette joie et pour la tramander dans les générations futures que nous sommes en train de faire ce travail. Je vous remercie pour avoir été avec nous. Je vous remercie pour le temps dédié dans cette émission. Je vous demande de partager le plus possible et non pour avoir beaucoup de likes ou de j'aime. C'est plutôt pour rendre cette information accessible à plus de personnes possibles de manière à ce que nous réalisons les enjeux dans lesquels nous sommes. Nous sommes garantis par un pouvoir colonial esclavagiste en Afrique, spécialement en Afrique, qui utilise une contraposition, c'est-à-dire nos gouvernements, nos institutions ne sont que des instruments pour asseoir et rendre invisible l'esclavagisme dans lequel nous sommes inscrits. Dans le système scolastique, nous ne sommes appris rien de tout ceci. Tout ce qu'on nous raconte, c'est des histoires à faire dormir les enfants. Et nous finissons nos études pensant être devenus des intellectuels pendant qu'on nous a rempli des histoires à faire dormir des enfants. En fait, quand on finit les études, on est un grand dormeur. Parce qu'on n'est pas conscient. On n'est pas en mesure d'évaluer la situation dans laquelle on est. C'est ainsi que le docteur qui va étudier pendant 18 ans et finit à ses salaires, il trouve que c'est là normal et ne réalise même pas. Ne réalise même pas qu'il est payé un cinquième de comment était payé un esclave il y a 170 ans. Nous devons nous rebeller par premier au système que nous avons devant nous. Nous devons nous rebeller au système éducatif parce qu'elle n'est pas auto-éducative. Elle est plutôt permissive dans le sens elle est là pour asseoir l'esclavagisme dans notre tête. Nous faire accepter l'esclavagisme dès le sein de notre mère. Nous n'avons pas aspiré à trouver un travail en Afrique. Nous n'avons pas aspiré à des investissements extérieurs. Nous devons aspirer à la réalisation de la liberté. La liberté, ce n'est pas un salaire. La liberté, ce n'est pas un business. La liberté, c'est le pouvoir de faire de sa vie ce que l'on veut, sans devoir répondre à personne, sauf à sa culture. Dwayne Letcher, Dwa Amon Ra, Dwa Nem Er.